Si vous voulez multiplier vos opportunités et votre chance de réussir, oubliez que vous avez un diplôme. Si vous n'avez pas commencé tôt, soyez patient. Les débuts seront hyper difficiles. Une fois de plus, on va écouter le message super puissant du coach Moussa Hubert. Moussa Hubert, c'est un coach d'origine malienne que j'ai découvert il y a quelques jours en arrière. Je me suis rendu compte qu'il avait un message super important et dans cette vidéo, il va partager avec toi 5 clés pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Donc, reste bien attentif parce que ces 5 clés, crois-moi sur parole, sont capables de changer ta vie tout entière. Générique. Personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Et ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler ces maladies, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc c'est ce que je vous dis, la vraie bénédiction c'est dans les actions. C'est dans les choses où on t'attend le moins. Au début, on ne voulait pas, tu as forcé, tu as commencé, et puis un bon jour tu es venu avec un petit sachet de poulet. Toute la famille n'a qu'à venir manger. Hé tiens, tu es cadet dans la chair. Ah non, Adani, tu appelles tout le monde. C'est 5000 francs, ou bien, c'est même pas beaucoup, mais toute la famille prend un morceau. Ah non, il n'y a rien, Allah a une baraka d'un, Allah a continué. Tu vois un peu. Toi-même, tu es là et puis tu es content, tu es fier, toute la famille. Vous savez, quand le douaou est général là, ça prend. Le douaou général là, ça prend. Quand le douaou est individuel, toi, c'est un petit peu. Vous voyez. Donc, souvent, tu fais ces petites actions. Et c'est ça qui est la vraie bénédiction que tu peux avoir dans les actions, pas dans la bouche. Pour nous, là, c'est tout le temps dans la bouche. Ah non, il doit regarder. Ah vraiment, sinon ça va pas. Donc, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que ça aille? Donc, vos parents vous aiment, mais c'est pas tout ce qu'ils veulent pour vous qui est bon pour vous. Ils vont toujours tout faire pour vous conserver, mais c'est à vous de vous échapper. C'est à vous de sortir de cette caracasse. C'est à vous de leur démontrer que vous voulez choisir votre chemin, que vous pouvez être indépendant, que vous pouvez réussir, que vous savez ce que vous voulez faire, que certes c'est difficile, mais que chaque chose est difficile. Demandez-leur d'avoir confiance en vous, de vous laisser essayer, de faire vos propres erreurs, vos échecs, apprendre de ces erreurs, de ces échecs-là, vous relancer jusqu'à ce qu'un jour ils deviennent fiers de vous et qu'ils sachent réellement que l'enfant qu'ils ont toujours eu et qu'ils ont toujours voulu là, c'est vous, mais que vos chemins sont différents. Ce n'est pas parce que l'intention est bonne que les résultats seront forcément bons. Je répète, ce n'est pas parce que l'intention est bonne que les résultats seront forcément bons. Vous savez, nos parents veulent tout ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Chaque parent aimerait que sa fille soit heureuse dans son mariage. Mais on continue quand même de voir des mariages forcés. On voit quand même des parents qui envoient leur fille en mariage contre leur gré. Et une fois là-bas, leur fille est malheureuse. Maintenant, à un moment donné, être adulte, c'est décider d'être responsable. Donc si jamais, toi tu veux par exemple te lancer en entrepreneuriat et que tes parents très souvent, puisqu'ils ne comprendront pas du tout ce que c'est que l'entrepreneuriat, y opposent une vive résistance, ça sera à toi, l'enfant, de leur montrer que ils ont tort de s'opposer à ton choix de vie. Mais comment est-ce que tu vas leur montrer ça? Ça sera à partir de tes résultats, parce que les gens ne comprennent que les résultats. Et quand je parle de résultats, ça sera surtout en termes d'argent. Parce que moi, je sais qu'au début, lorsque je me lançais dans cette aventure, que je ne gagnais rien du tout, voilà, il y avait quelques petites moqueries et tout, et très souvent, ce sont les proches. Mais le jour où j'ai commencé à poser 50, 100, 150, 200 sur la table comme ça, j'ai dit bon voilà, ce n'est rien, mais c'est déjà un petit quelque chose pour vous dire que si vous me laissez le temps,
ça pourrait être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. À partir de ce moment-là, on a commencé à me laisser faire ce que j'avais à faire. Donc, si tu es encore à l'étape où tes parents s'opposent à ce que tu es en train de faire comme activité, ça veut dire une seule chose, c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut pour les rassurer. Donc, c'est à toi de rassurer tes parents. Moi, c'est du lundi au dimanche. Vous pouvez pas vous reposer samedi, dimanche, alors que vous êtes pauvre. Est-ce que le pauvre a droit au repos? Tu es pauvre et puis tu te reposes. Deux mots qui ne vont pas, tu dois même parler dans la même phrase. Pauvreté et repos. C'est des ennemis. On se repose quand on a réussi, quand on a travaillé et qu'on est fatigué. Toi, tu n'as pas encore travaillé et tu te reposes. C'est dommage. Trouvez des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Formez-vous. Prenez un livre. Combien de personnes ont lu un livre entier ici? On peut compter. Trouvez un bon livre. Ça va. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous devenez quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. C'est les gens qui sont autour de vous qui vont vous dire. Ah, mais j'ai remarqué, maintenant, tes causeries sont intéressantes, tu parles bien, tu as beaucoup plus de connaissances. Parce que tu ne te rends pas compte, mais ce que tu lis, c'est ce que tu dis. La tête, c'est comme une baignoire. C'est comme une calebasse. Ce que tu mets dedans, c'est ce qu'on peut venir prendre à l'intérieur. Quand il n'y a rien dedans, quand le crâne est vide, on peut prendre quoi à l'intérieur? Rien. Donc, il faut le remplir. Vous remplissez la calebasse. Et les gens peuvent venir se servir. Mais vous savez, quelqu'un qui apprend beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Quand une calebasse est de 1 litre et que chaque jour vous mettez de l'eau dedans, il va arriver un moment, la calebasse sera remplie, n'est-ce pas? Si la calebasse est remplie et que vous décidez de continuer à mettre de l'eau dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se faire. C'est comme ça que les autres vont commencer aussi à apprendre de vous. Parce que quand vous allez remplir la calebasse, si vous continuez à mettre, ça va se verser. Ce qui veut dire que les autres vont bénéficier. Que vous le vouliez ou pas, que vous ayez peur de parler en public ou pas, que vous soyez timide ou pas, si vous remplissez votre calebasse, tôt ou tard, ça va se verser. Et vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez partager avec les autres. Et quand vous partagez avec les autres viennent se servir dans votre calebasse. Ça veut dire que vous prenez de la valeur. Et quand on prend de la valeur, on devient utile pour les autres. Et on est rémunéré pour ça. On réussit. Quand tu es utile aux autres, automatiquement, les gens payent pour ta voix. Les gens payent pour ta voix. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai un rendez-vous à 13h. Je suis assis, j'ai rien fait. C'est un ami qui m'appelle. Ah, le game, j'ai un gros deal. Et puis il me dit comme ça, un gros deal. Je ne peux même pas faire ça seul. J'ai besoin de toi, on va aller dessus. Il dit, ok, gère ça. Moi, je gère ici. Après, on va aller gérer là-bas. Si on finit, on va aller gérer de l'autre côté. On gère tout. Vous pouvez aussi gérer beaucoup de choses. Mais il faut vous connecter aux gens. Ce n'est pas en restant assis matin, midi, soir en classe. Quand vous quittez l'école, allez-y vous connecter aux gens. Allez-y vous connecter aux personnes. Allez-y dans les conférences. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, allez-y là où on le retrouve. Allez-y dans les conférences. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, allez-y là où on le retrouve. Allez-y dans les conférences. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, allez-y là où on le retrouve. C'est un criminel. Oui, c'est un criminel. Mais tu vas le virer, tu vas dire, mais c'est quel avocat ça? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous-même dans votre vie de tous les jours? L'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Bon, je suis un millionnaire en puissance. Je suis un millionnaire en puissance. Voilà, vous ne sentez pas cette énergie-là qui commence à monter? Moi, vous ne vous sentez pas à l'aise un peu plus? Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à la maison qu'il y a une opportunité là-bas. Allons saisir. Est-ce que tu as eu la chance? Il dit que mais j'ai eu la chance comment? Il me dit qu'en général, ce sont des personnes qui eux-mêmes entretiennent ces réseaux-là. Et ils veulent connaître quel est ton niveau d'information par rapport à ce qu'ils font. Et s'ils se rendent compte que ton niveau d'information est très élevé, ils t'éliminent directement. La seule chose qui fait taire les gens et fait en sorte qu'à un moment donné, ils prennent des notes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent à la fin du coup, ouais, s'il te plaît, on peut se rencontrer quand? Ce sont les résultats. Si vous voulez multiplier vos opportunités et votre chance de réussir, oubliez que vous avez un diplôme. Vous savez, ça vaut maintenant 4 ans, moi, qu'on ne m'a plus demandé mon diplôme.
Je ne sais même pas où je l'ai mis. On ne me demande plus mon diplôme. Les gens s'intéressent à ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux faire? Tu l'as déjà fait? Montre-moi. C'est ça le diplôme, arrivé une fois sur le monde professionnel. On ne te demande plus ton diplôme, on ne veut même pas savoir. Parce que quand on regarde ce que tu es capable de faire, la personne même ne peut même pas s'imaginer que tu n'as pas un diplôme. Quand on vient acheter ton produit, est-ce qu'on te demande ton diplôme? Non. Les pauvres sont égoïstes. Parce que dans ce livre, j'explique clairement que le diplôme, entre guillemets, ne sert à rien. Parce que ce que les gens veulent, c'est de savoir si ton diplôme résout, te donne les compétences de pouvoir résoudre les problèmes qu'ils ont. C'est ça le plus important. Et dès lors que tu résous les problèmes des autres, c'est clair que tu vas gagner de l'argent. C'est clair et précis. Donc si ton diplôme ne te permet pas de résoudre les problèmes des autres, ton diplôme ne vaut absolument rien. J'ai dit bien absolument rien. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui ont un diplôme en géographie, des personnes qui ont un diplôme en histoire, des personnes qui ont un diplôme en physique, restent pauvres. Parce que être physicien ne fait pas forcément de toi. Avoir un diplôme en physique ne fait pas forcément de toi un physicien. Il faut bien voir cette nuance. Donc, tant que tu ne résous pas le problème des autres, sache que ton diplôme ne revient, ne vaut rien. Donc, ce que tu sais, sur quoi tu dois de plus travailler, c'est travailler à devenir la solution aux problèmes que les autres rencontrent. Aujourd'hui, j'ai lancé la maison d'édition, les éditions Argent Livre. J'ai quel diplôme dans les éditions? Aucun diplôme. Mais on résout un problème et on gagne de l'argent en parallèle. C'est ça en fait. C'est ça le plus important. Résoudre les problèmes des gens. Il y a une ethnie au Mali qui ont l'habitude, on les connaît pour vraiment leurs compétences en entrepreneuriat. Ils se lancent à 90% dans le domaine de l'entrepreneuriat et ils sont tout le temps riches, très jeunes. C'est quelle ethnie si vous connaissez? Les Djogramen. Donc, vous les connaissez tous. Mais est-ce que vous êtes assis, vous avez analysé pourquoi les Djogramen, dans la majorité du temps, ils sont riches, jeunes et ils réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ils apprennent? C'est tout. Ils commencent tôt. Voilà le secret. Ils commencent tôt. Le Djogramen, à 25 ans, il a 15 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est à 25 ans que toi, tu as ta licence. Tu veux commencer. À 25 ans, lui, il a 15 ans d'expérience. Il a déjà commencé à manipuler l'argent très tôt. Il a compris le cycle de fonctionnement de l'argent. Il a l'éducation financière. Il a le réseau. Il a l'expertise. Et souvent, vous pensez qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils sont plus instruits que nous. Parce qu'ils ont beaucoup voyagé. Il n'y a pas meilleur enseignement que quelqu'un qui voyage pour aller découvrir ce qui se passe dans le monde. Qui rencontre des personnes, qui causent avec lui, qui partagent avec eux leur vécu, leurs échecs. Il apprend de ça. Même s'il a du mal à lire et écrire, il est plus instruit que nous en matière d'affaires, de business, d'expertise. Et à 25 ans, le gars, il est déjà marié, il a 10 villas, il a ses entreprises un peu partout. Et nous, on vient juste d'avoir à 25 ans notre licence, on commence à danser. C'est bonjour la galère. Parce que vous ne savez pas, mais le diplôme, c'est bonjour la galère. Parce qu'une fois que c'est fini, vous êtes content, mais vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la vraie vie. C'est maintenant que la vraie vie va commencer. Vous allez vous rendre compte que votre papa qui est directeur d'une entreprise ne peut pas vous embaucher. C'est paradoxal. J'en ai vu plein de cas. Un papa qui est directeur dans une entreprise, mais qui ne peut pas embaucher son enfant. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne l'appartient pas. Et en plus de ça, il ne peut pas faire du favoritisme. Parce qu'il est obligé lui-même, en âme et conscience, de recruter la personne qui mérite le poste. Donc vous devez vous préparer en amont. Vous devez vous empresser sans vous précipiter. Ça veut dire que vous devez commencer tôt, mais être patient une fois à l'intérieur. Parce que l'entrepreneuriat demande du temps, de l'énergie. Nous, on commence à 25 ans. Après une conférence, 10 personnes vont sortir. Ils vont dire, moi, je veux être entrepreneur. Au bout de un an, ils vont dire, le gars nous a menti. L'histoire est trop compliquée. J'abandonne. Non. Ça demande de la patience. Vous ne pouvez pas réussir en une année ce que d'autres ont mis 15 ans à construire. Plus tu commences tôt, plus tu seras susceptible de devenir riche tôt en ce qui concerne l'âge. Et malheureusement, tu as toujours des gens qui sont lancés en business, ça fait peut-être une semaine, deux semaines, trois mois. Et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de résultats, du moins ce qu'ils espéraient,
ils disent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour eux. Il ne faut pas comparer le chapitre 1 de ta vie au chapitre 10 de la vie de quelqu'un d'autre. Je répète, il ne faut pas comparer le chapitre 1 de ta vie avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, lorsque j'étais en classe de terminale, j'avais une camarade de classe qui, elle, était bamlékée. Lui, là, un peu comme pour le Cameroun, si tu es camerounais, si tu n'es pas camerounais, pour moi, les bamlékés sont ce que les juifs sont. Les bamlékés sont pour le Cameroun, ce que les juifs sont pour le monde, sur le plan financier en tout cas. Et cette camarade de classe-là, elle était déjà millionnaire lorsqu'on était en classe de terminale. En même temps, c'est normal. Elle était lancée en business lorsqu'elle était en classe de 3e, bien beaucoup plus tôt même, je crois même 4e ou 5e. Elle faisait déjà du business. Pendant que nous, on se disait non, on fait d'abord l'école et rien que l'école et après on va faire le business. Mais elle faisait déjà. Et à l'instant où je parle, elle a plus de 15 ans d'expérience dans les affaires. Et les chiffres qu'elle fait en ce moment sont juste exceptionnels. Mais toi, tu vas venir te lancer hier et demain, tu vas vouloir avoir les mêmes résultats qu'elle. Même Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Donc, accepte de suivre le processus. Rien ne se fait en dehors du temps. Donc, prends le temps de suivre le processus pour avoir les résultats. Et pour ça, il va falloir être patient. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a 3 étapes. 1, la période de turbulence. 2, la période de stabilisation. Et 3, la période d'envol. Si tu n'es pas prêt à suivre ces étapes, qui en général mettent 5 ans, tu ne pourras jamais réussir en entrepreneuriat. Si vous n'avez pas commencé tôt, soyez patient. Les débuts seront hyper difficiles. Vous n'aurez pas de vie professionnelle, comme on vous l'a dit. Il n'y aura plus de mariage mondial, ni de baptême mondiaux. Vous devrez abandonner tous ces éléments-là. Si vous voulez vous lancer, je vous dis ce qui vous attend. Pas de vie sociale pour un début. Et c'est la galère à chaque fois, parce que tout argent que tu gagnes, tu dois soit le réinvestir, tu dois soit le conserver pour les risques. Donc ce sera la galère. Vous ne pouvez plus porter les jolis habits matin, midi, soir. Au début, ça, ce n'est pas permis, ce n'est pas possible. Donc, vous allez vivre ça, la solitude. Et souvent, l'un des freins même qui vous attend, c'est quoi? C'est les parents. Ils vont dire, « Itenida, vous l'avez gâté, baragnine. » Parce que pour eux, tu n'es pas en train de... Ce n'est pas un travail, ça, pour eux. Ils vont, dans la mentalité qu'on a et dans laquelle on est né, tant qu'on ne se réveille pas le matin, costard, cravate, se laver, tu dis, « Nan, tu seras ta baragnine là. » On ne travaille pas. Donc, pour eux, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du travail. Mais si vous restez, vous persistez au bout de 3 ans, un jour, maman est là, vous venez, maman prend ses 200 000. Ah, elle va commencer à faire des doigts pour vous. Ah, alhamdoulilah, vous m'avez donc venu à évoluer. Elle va commencer à changer d'art. C'est vos résultats qui doivent parler à votre place. Le sacrifice que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire, et malheureusement, comme ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices-là, ils ne pourront pas jouir des plaisirs beaucoup plus grands. Parce qu'on n'obtient jamais rien sans sacrifice. Voilà pourquoi moi, je dis à toute personne qui veut devenir riche, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent depuis le passé, moi, je suis quelqu'un qui aime être bien fringué, la sape, les chaussures, les habits, les montres, les bijoux. J'aime tout ça. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne le temps de sacrifier certaines choses pour bénéficier de plaisirs beaucoup plus grands sur du long terme, j'ai commencé à mettre tout ça de côté en me disant, c'est pour un temps. 5 ans, c'est quoi dans la vie d'une personne? C'est-à-dire, des gens sont prêts à faire 21 années d'études. Pendant toutes ces 21 ans, ils sont pauvres. Ils ne prennent aucun moment pour étudier l'intelligence financière, aucun moment pour étudier le business. Mais ils sont prêts à accepter le chômage. Mais quand tu leur dis, sacrifie 5 ans pour étudier le business, pour étudier l'intelligence financière, pour étudier le succès, ils te disent non, c'est trop long. Mais ils veulent avoir la même fortune que Aliko Dangote, qui a passé plus de 30 ans à bosser sur cette thématique-là. Pour réussir dans la vie, il faut être un étudiant de la réussite. Pour devenir médecin, tu étudies la médecine. Donc, si tu veux aussi avoir du succès dans la vie de tous les jours, dans les affaires, dans les finances, ben, tu dois aussi prendre le temps d'étudier. Et on te demande de prendre 5 ans pour ça. Tu dis que c'est long. Mais tu es prêt à faire 21 ans sur les bancs pour avoir un diplôme qu'on t'a vendu comme étant le Graal pour te permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas de sens. Donc, accepte de payer le prix si jamais tu veux t'en sortir. Et l'autre prix que tu devras aussi payer, il faudra que tu payes le prix pour acquérir de la connaissance. Et cette connaissance, tu la trouveras soit dans les livres, soit au cours des coachings, soit en suivant des formations ou en assistant à des
conférence. C'est justement pour cette raison que ce 23 avril 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau avec le docteur Kodian Nubisi, un entrepreneur dont je ne présente plus ici. Et c'est aussi l'auteur du livre « Le jeune entrepreneur africain ». Donc, si jamais tu as envie de cerner la pertinence de ce gars, le livre est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Je te conseille vivement de prendre le temps d'abord de lire ce livre si jamais tu le découvres au travers de cette vidéo. Et à partir de là, tu pourras juger sa pertinence et tu pourras assister à sa conférence du 23 avril qui se tiendra à Paris sur l'investissement en Afrique. Ça va être un moment unique, exceptionnel, inédit qui, je suis sûr, transformera ta vie et tes business à tout jamais. Donc, si jamais tu vas assister à cette conférence de très haut niveau, je te donne rendez-vous sur argentlivre.com, onglet événements, et réserve tout de suite ta place. Cela étant dit, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Belias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano.